bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Christine Bravo, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoine, Isabelle Alonso, Jean-Bernard Hébé et Gérard Miller. Ça va, Maureen? Très jolie, Maureen. C'est vrai, merci. Oh, bah écoutez, elles ont fait du bon travail. Non, mais ne dites rien, restez jolie. Jean-Bernard Hébé, impeccable, élégant, le Brumel du service public, il faut le dire. Ah, c'est pas mal ça, le Brumel. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai regardé si quand même. Il y a quelques mecs qui sont bien habillés. Jean-Bernard, quand il disait que tu étais bien habillé, il déconnait. Hein. Calme-toi, parce que là tu dis, il y en a d'autres qui sont bien habillés, il n'y a pas que moi. Non, 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 il plaisantait. Non, attends, tu peux tout lui. Non, il est bien habillé. Jusqu'à maintenant, tu sortirais avec un mec habillé comme ça, toi? Si je sortirais avec un mec habillé comme ça? Ouais. À son âge? Non, non, non. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est évidemment celle de Zinedine Zidane inscrivant le premier but de l'équipe de France hier soir contre Chypre. Merci Zizou, titrait le Parisien ce matin. Il faut dire que c'était un but important, oui. Puisque important pour lui, surtout Zizou, parce que ça devrait lui permettre de repasser devant l'abbé Pierre et Yannick Noah au classement du JDD. Accessoirement, ça va nous permettre aussi d'aller jouer le Mondial en Allemagne. Mais franchement, est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on reste sur une victoire, hein? Jean-Luc, je vais regarder, ouais, j'imagine, le match. Mais il s'en est quand même fallu de peu pour qu'on ne décroche pas cette qualification, puisqu'à 4-0, ça suffisait pas vraiment. Il suffisait d'un but à la dernière minute de la Suisse contre l'Irlande et tout était foutu. Le journal L'Équipe a d'ailleurs raison de titrer ce matin... Given, sauf les Bleus, faut que vous disiez qui est Given. Chez Given, c'est le gardien de l'équipe d'Irlande. Voilà. Et on a trouvé une photo de lui ce matin. Regardez. Regardez bien. On est quand même malins, les Français. Hein. C'est bien. Il y a autre chose, Jean-Luc Lemoine, et je vous le reproche, là, ce soir, dans cette émission, que vous auriez pu nous dire avant, c'est qu'on critique beaucoup Raymond Domenech, mais Raymond Domenech est le premier sélectionneur depuis bien longtemps à nous qualifier pour le Mondial. Voilà. Je m'explique pour ceux qui n'auraient pas lu l'information. Quand on a gagné le Mondial en 98, c'est pas Aimé Jacquet qui nous a qualifiés pour le Mondial, parce que nous étions qualifiés d'office, vu que nous étions les organisateurs de la Coupe du Monde. Ah, oui. 4 ans plus tard, on était qualifiés d'office, vu qu'on avait gagné la Coupe du Monde précédente qui se passait chez nous. Ça veut dire que ça fait depuis 20 ans qu'on ne s'était pas qualifiés nous-mêmes, voilà, pour un Mondial. C'est-à-dire que Raymond Domenech est le premier sélectionneur qui, depuis 20 ans, nous qualifie pour un Mondial. Vrai. Alors bravo à lui. C'est vrai. Et ça, Jean-Luc, je t'en veux beaucoup de ne pas me l'avoir expliqué aussi clairement. Non, mais c'est vrai, pourquoi vous ne nous l'aviez pas dit, ça? Oui. Mais parce que je ne peux pas tout vous expliquer, Laurent. Vous n'êtes pas prêt. Vous ne saviez encore. Pas, ça, hein? Mais non, j'y ai pas pensé. De toute façon, pour que l'équipe de France réalise un bon parcours en Allemagne l'année prochaine, il va falloir quand même penser à leur donner un peu plus de moyens. Parce que regardez cette publicité dans L'Équipe ce matin, on voit bien que c'est plus l'équipe de France d'avant. Regardez, pour se déplacer, ils ont quand même qu'une seule bagnole pour 24. Ils rentreront pas tous dedans, hein, ça c'est sûr. On pourrait au moins leur donner un autocar quand même. En plus, regardez bien, ils ont mis Djibril Cissé au volant. Bah, s'il conduit comme il tire, on n'est pas arrivé en Allemagne. Ça, c'est méchant. Allez, on passe à un autre héros français, non? Ce n'est plus Zizou, le vrai héros français, c'est Astérix, dont le nouvel album est très attendu, au point que le journal Le Parisien s'est transformé pour quelques pages en Lutétien. Vous avez eu le Lutétien, c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Bon alors, dans la nouvelle bande dessinée, il faut savoir, les personnages ont quand même un peu changé. Vous avez par exemple, regardez le premier, Sarkozyx. L'Élysée, c'est son idée fixe. Vous avez le poète Dominix de Villepin, hein, dont on ne sait pas s'il va finir bâillonné à la fin du banquet de l'UMP. Vous avez évidemment le vieux sage qui est à l'Elysée, le vieux druide, hein, qui vient un peu de reprendre de la potion magique au Val-de-Grâce pour tenir plus longtemps. Vous avez, alors regardez bien, je ne sais pas si vous allez reconnaître, il faut bien regarder son visage. Ah non, c'est pas Raffarin. Oui, Depardieu. Non, c'est Il est aux Acédix. Effectivement, Jean-Pierre Raffarin qui est retourné chasser le sanglier en Poitou-Charentes. Alors là, vous allez après le nom Maracoursix, chef de l'opposition, François Hollande. François sa Hollande. Femme, Falbala, convoitée par tout le village. Et puis alors, vous avez aussi Merde à la Turquix, qui est de Villiers, l'irréductible Gaulois qui ne veut pas que son village soit envahi par les islamiques. Et enfin, pour terminer, Caius Fabius, qui a mis la main, il faut le dire, sur le petit village de non-référendum.
On passe aux Chinois dans l'espace. Eh bien, regardez-les, voilà, en voilà au moins deux qui ont trouvé un truc pour échapper à la grippe aviaire. Bon, on nous dit, attention, qu'ils ne sont que deux dans cette fusée. Mais il faut savoir que dans l'étage en dessous, il y en a 30 avec des machines à coudre qui tricotent des t-shirts et fabriquent des baskets, hein, quand même. Et en retour, nous dit-on dans la presse, est prévu dimanche à 7h précise, heure du 13e arrondissement de Paris. Le premier Chinois, souvenez-vous, qui avait été envoyé dans l'espace, c'était il y a 2 ans. Oui, hein, en 2003, il y a 2 ans. Il était quand même revenu avec le gingembre confit, les nougamous, les beignets flambés, le vermicelle dans le potage. Mais cette fois, on leur a mis quand même des combinaisons de taïkonautes plus grandes, parce que le premier, c'était le premier, il testait. Hein, et c'est, il y a 2 ans, c'est sa maman qui lui avait tricoté sa combinaison au premier Chinois qui était allé dans l'espace. Une taille en dessous, évidemment, par tradition. Gérard, c'est formidable la Chine, ils ont tout, le nombre, l'intelligence, le dynamisme, il leur manque plus que la démocratie. On peut espérer un jour que ça arrivera avant qu'ils aillent sur la Lune. Ils sont très forts quand même, parce que moi je suis sûr que si un jour les extraterrestres arrivent sur Terre, ils seront habillés par les Chinois. Moi c'est le contraire. C'est le contraire auquel je pense. Ça doit être terrible parce qu'un jour ils vont peut-être aller sur Mars, puisque c'est le projet de tout le monde. Voir arriver des petits hommes jaunes, ça va leur faire des. Drôle. Petits hommes verts. C'est bien. On revient à la politique française avec le nouveau candidat à l'Elysée. Voilà, il vient de sortir, Monsieur X. On ne sait pas qui c'est. Il ne dévoilera son identité que le 5 janvier 2007, nous dit la presse. Et pour qu'on patiente, parce que personne qui a le suspense, il publie son programme dans un livre intitulé J'arrive. Voilà, hein, c'est Le Point qui nous dit ça ce matin. C'était aussi dans Le Parisien. C'est curieux ça quand même, Monsieur X, J'arrive. Moi, je vois Croco Siffredi. Franchement, et par rapport aux autres candidats, croyez-moi, ils vont pouvoir s'accrocher parce que leurs mesures vont paraître ridicules. Hein. On n'a pas de bol quand même. Hein. Quand on les connaît, ils n'ont pas de programme. Et quand ils ont un programme, on ne les connaît pas. Bravo. Gérard, vous qui savez tout, savez qui c'est? Je sais qui c'est, oui. Ah. Arrête. Vous me posez la question, je connais bien Michel Onfray. Alors qui c'est? Je vais donner un indice. Ouais. Jamais. Il y a 5 lettres dans Catherine Médicis qui sont bonnes. Ah là 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 là. Et moi, je il a des dons. Autre, il a un polo pourri. C'est vous Gérard? C'est écoutez, sûr, c'est dégueulasse. Quand vous saurez, franchement Catherine, Christine, pourquoi je dis Catherine? Oh, tu m'as dénoncé, idiot. Le lapsus. C'est non, pas Catherine, mais d'ici, c'est-à-dire c'est plutôt minuit moins le quart. On termine avec la nouvelle chaîne télé Baby TV, une chaîne pour les moins de 3 ans. Et oui, elle n'est pas encore, ça, ça n'existait pas. Une chaîne pour les moins de 3 ans, une chaîne pour vos bébés. Ah oui, il faut mettre les bébés devant la télé, pourquoi pas. Alors j'ai regardé le programme, c'est pas mal. Il y a une émission musicale qui va s'appeler Toro Toto. Vous avez évidemment à 20h le JTT. Vous avez une émission qui s'appelle La Chance au biberon, animée par Pascal Sevrage. Évidemment... On nous annonce d'ores et déjà le retour de Catherine Langer. Et déjà programmé un téléfilm avec Claude Brassière et Martin Landau. À Radio Hochet, animé par Nico Sagregreux. Enfin, écoutez, après tout, c'est une chaîne télé pour laquelle il n'y aura pas de quoi se relever la nuit. C'est quoi ? Le 6 octobre est sorti Shalimar le clown, le nouveau roman de Salman Rushdie, le célèbre écrivain britannique d'origine indienne, à qui l'on doit notamment, vous en souvenez évidemment, les fameux Versets sataniques, un ouvrage qui avait suscité de profonds remous dans le monde musulman à la fin des années 80, même une fatwa avait été prononcée contre Salman Rushdie. Dans ce nouveau livre, Shalimar le clown, Salman Rushdie nous transporte cette fois à Los Angeles, à la fin des années 90, mais aussi et surtout dans le Cachemire, une région que se disputent l'Inde et le Pakistan. Pour tester ensemble Shalimar le clown, un livre prévu pour être un succès de librairie. Accueillons tout de suite son auteur, Salman Rushdie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On vous reçoit quand même plus facilement aujourd'hui sur les plateaux télé, c'est vrai, qu'il y a une quinzaine d'années. Oh, it's a lot easier. Oui, oui, c'est beaucoup plus facile de nos jours. Vous-même, vous sentez plus à l'aise? Est-ce que, pardon pour cette première question avant qu'on en arrive au livre, est-ce que vous sentez plus rassuré quand vous circulez qu'il y a une dizaine d'années? Oui, 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 non. Là, vous ne me faites pas tellement peur, vous avez l'air plutôt peu
peu dangereux. On doit rappeler quand même que Salman Rushdie est né en Inde, à Bombay, que vous avez vécu en Angleterre à partir de l'âge de 14 ans. Vous avez quitté l'Inde à partir de cet âge de 14 ans ou avant l'Angleterre, vous êtes passé par un autre pays? Non, je n'ai même pas quitté parce que ma famille n'a pas quitté l'Inde. Je suis allé dans un pensionnat en Angleterre, mais je revenais tout le temps. À l'âge adulte, après l'université, je suis allé en Angleterre pour m'y installer en tant qu'écrivain, mais je suis toujours lié à l'Inde. Isabelle Alonso. Moi, je suis très impressionnée par votre présence. Je suis aussi très fière d'être dans une émission qui reçoit des gens comme vous. Franchement, je suis très fière. Et quand on m'a dit que vous étiez invité de l'émission, un monument tel que vous, c'est comme si on m'avait dit que la Tour Eiffel allait venir s'asseoir sur les tabourets. Quoi. J'étais deuxième invité. C'est tout à l'heure. Pourquoi un monument? Vous pouvez expliquer? Alors, parce que vous êtes véritablement une star universelle. Mais ce qui m'impressionne énormément chez vous et ce qui vous rend extraordinairement sympathique à mes yeux, c'est que vous êtes resté un homme debout face au danger, alors que devant vous, il y avait la barbarie, la bêtise la plus crasseuse, l'intégrisme religieux, tout ce qui empoisonne la vie des gens depuis si longtemps, et vous êtes resté dans un courage que je trouve absolument admirable. Alors, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire à quelqu'un, vous êtes un être humain admirable. Alors, je vous le dis. Je vous remercie, c'est gentil. En fait, l'une des choses les plus curieuses qui s'est produite avec les versets sataniques, c'est que, en raison de la violence de l'attaque, c'était quelque chose de pas drôle, c'était quelque chose de très obscurantiste, théologique. On s'était dit que mon œuvre n'était pas non plus drôle, qu'elle était théologique, qu'elle était obscure. Et en fait, c'est contre ça que je dois me battre maintenant, pour faire comprendre que mon œuvre n'est pas cela. Les gens qui n'ont pas lu mon livre se disent que c'est un livre religieux ou quelque chose qui traite de questions obscures. Personne n'a dit au sujet des versets sataniques que c'était un livre drôle. Gérard Miller. Moi, j'ai envie de vous dire que je vous plains, parce que je sais à quel point c'est dur pour quelqu'un d'être épinglé jusqu'à la fin de ses jours et bien au-delà par un événement. Parfois, c'est un événement formidable, comme le général de Gaulle et l'appel du 18 juin. Parfois, c'est un événement un peu ridicule, comme Stevie et le Loft. Jusqu'à la fin des jours, ça restera l'homme qui a fait la première télé-réalité en France. Vous ne le connaissez pas, c'est un copain à nous. Vous, jusqu'à la fin de vos jours, vous avez ce tampon sur l'épaule. Est-ce que ça n'est pas la suite de votre calvaire? Bon, quand même, les choses se sont calmées. Hein. Les choses vont beaucoup mieux depuis quelques années, quand même. On revient véritablement au sujet de mes livres et pas tout ce qu'il y avait autour. Mais c'est vrai que dans une certaine mesure, les gens ont tendance à penser d'abord à la foi de toi, mais heureusement, j'ai pu reprendre plus ou moins de vie littéraire. Jean-Bernard Hébé, vous l'avez lu, Chalimard le clown. Le livre, je l'ai lu. Et vous avez une façon très étonnante de parler d'abord, en général, d'une façon extrêmement raffinée, et dès que vous parlez de l'acte sexuel, vous parlez d'une façon extrêmement crue. Comment cela se fait-ce? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Parce que pendant longtemps, dans mes ouvrages, j'étais plutôt timide, je n'osais pas trop parler de sexualité. Tout se passait, disons, en coulisses, on ne voyait rien dans les livres. Dans les premiers livres, comme Les Enfants de minuit, il n'y a pas de sexualité du tout. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était dans Le Dernier Soupir du Mort, c'était il y a une dizaine d'années, et je me suis dit, bon, s'il faut décrire une scène sexuelle, comment m'y prends-je? Et c'est là que j'ai perdu ma sexualité, ma virginité. Et alors, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Expliquez, donc, le livre, en fait, est un long flashback. Ça part, effectivement, des États-Unis où il y a un meurtre, le meurtre d'un diplomate par son chauffeur qui vient du Cachemire. Et sa propre fille à cet homme assassiné est une métisse, en quelque sorte, puisque son papa assassiné est américain et sa maman était elle-même, comment on dit, du Cachemire? Cachemiri, voilà. Et de là, par un long flashback sur... évidemment, la vie de ces trois personnages. Christine, bravo. J'ai beaucoup d'admiration pour vous en tant qu'homme. Vous n'êtes pas mon écrivain préféré. C'est pas mon style d'écrivain, Salman Rushdie, parce que c'est trop fustile, c'est trop, vous savez, des temps passés simples et tout. Moi, j'aime le présent, j'aime les phrases courtes. Bon. Et alors, je suis mal placée pour vous donner des leçons de littérature. Oui, assez mal. Mais n'empêche que quand j'ai commencé à écrire, j'avais une grande directrice littéraire qui était très connue, qui s'appelait Françoise Verny. Et une des premières choses qu'elle m'a dites, Christine, quand tu écris, ne mets jamais le mot « comme ». C'est-à-dire, ne dis pas « cette femme est belle comme une fleur », décris la fleur. Et j'ai relevé
Salman, dans la première livre, la première page, 4 coms. J'en ai relevé comme ça, j'en ai relevé encore. C'est-à-dire que dans les deux... Alors, je voulais vous demander... Attendez, il faut peut-être, peut-être qu'il faut lire d'autres auteurs. Mais enfin, je ne suis pas venu entendre des leçons d'écriture. Non, mais en tout cas, c'est juste ce que je veux dire. Mais vous voyez, l'idée selon laquelle... L'idée qu'il faut écrire sans comparaison, c'est stupide. Enfin, c'est une idiotie. Alors, votre maître d'écriture était une idiote, excusez-moi. Gérard Miller, vous savez ce qui est fascinant quand on lit votre dernier livre, c'est qu'on le lit, bien évidemment, et qu'en même temps, on lit le livre que vous n'avez pas écrit. C'est-à-dire que je sais que ce que vous aimeriez écrire, c'est un livre incroyablement simple. 3 personnages, dites-vous, une chambre, un seul lit. On sent tout le temps que vous êtes hanté par un livre qui serait un livre court, direct, rapide, peut-être qui plairait encore à plus de gens. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on sent que vous ne pouvez toujours pas le faire, que trop de choses viennent se bousculer dans votre tête, que vous êtes connecté au monde extérieur, à ce qui se passe en Inde. Et c'est donc intéressant de lire 2 livres à la fois. Donc, avec votre livre, pour le même prix, on en a 2. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai qu'au cœur de ce livre, il y a une histoire toute simple, quand même. C'est une histoire d'amour qui devient une histoire de meurtre. Mais l'un des objets du livre est précisément de montrer comment, justement, le monde est interconnecté dans ce livre. Et vous avez raison, tous ces éléments arrivent. Mais en même temps, au cœur de l'histoire, je crois que vous avez essentiellement une histoire d'amour qui devient une histoire de meurtre. Jean-Luc Lemoine. Moi, je suis beaucoup moins courageux que vous. Donc, quand j'ai su que je devais lire un livre de vous, et comme je lis dans le métro, je me suis permis de faire une fausse couverture. Donc, comme ça, je ne risque rien, mais je vous rassure, en dessous, c'est bien votre livre. Mais oui, c'est moins dangereux que Salman Rushdie. Je voulais le dire déjà. Non, j'ai trouvé ça magnifique, très bien écrit, même si je veux aller dans le sens de Christine, il y a un peu trop de F dans le livre. Voilà, voilà. Jean-Bernard. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur autre chose que le livre, mais le personnage que vous êtes est tellement impressionnant, et surtout quand on lit la presse au quotidien. Il y a un problème que vous connaissez. Vous avez été la victime d'une fatwa. On vous a condamné à mort. Les imams ont eu le temps récemment de prononcer une fatwa contre une joueuse de tennis parce qu'ils trouvaient qu'elle avait une jupette un petit peu trop courte. Par contre, je n'ai pas entendu un seul imam se prononcer contre les meurtres scandaleux des sunnis contre les chiites. Or, tout le monde sait que la solution au problème arabe passera justement par le fait que les Arabes parleront, et notamment les autorités religieuses. Comment aujourd'hui, vous, qui en avez été la victime, vous pouvez parler pour ça ou contre ça? De toute évidence, cette question d'intégrisme musulman est une question brûlante. La solution à ces problèmes devra être trouvée à l'intérieur de la communauté musulmane. C'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre l'intégrisme et pouvoir le vaincre, il faut trouver la solution chez les musulmans eux-mêmes. Comparons cela avec la situation irlandaise. Lorsque l'IRA est venu à la table des négociations, c'était le moment où elle avait perdu le soutien des Irlandais eux-mêmes, c'est-à-dire que les catholiques d'Irlande du Nord ne voulaient plus de ce genre de terrorisme en leur nom. Et c'est la même chose qui doit se produire dans le monde musulman. C'est parce que moi, je ne suis pas un musulman croyant ou pratiquant. Pour moi, finalement, peu importe, parce que je ne suis pas musulman, donc la question n'est pas là. Il faut que ça vienne de la communauté elle-même. Alors, Salman Rushdie, on s'est un peu... pas tant que ça, écarté de ce livre. Je sais que Isabelle Alonso l'a aimé, ce livre. Christine, c'est vrai, tout à l'heure, elle est parfois maladroite, Christine, quand elle attaque quelqu'un, mais je vous ai senti un peu agacée quand même. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, voilà, quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect, et parce qu'à cause de tout ce qui vous est arrivé, il n'empêche que j'ai senti que vous appréciez difficilement la critique. Quand on me dit si je peux utiliser des comparaisons, non, là, effectivement, je suis peut-être un petit peu fermé à ce genre de critique-là. Mais ici, c'est un livre qui, essentiellement, a été très bien reçu par la critique. Et bon, c'est dommage qu'on le représente de cette façon ici, parce que c'est un livre, au contraire, que le lecteur n'a généralement pas de difficulté à lire. C'est un livre qu'on trouve plutôt attirant et plutôt passionnant. Enfin, les gens s'y accrochent. Alors, si Christine ne l'aime pas, c'est son droit, comme je l'ai dit. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Si je trouve que ce qui fait de vous un très grand écrivain, c'est votre capacité à saisir le monde dans sa complexité.
et à le restituer dans sa complexité. C'est-à-dire que dans ce livre, on voyage dans le temps, dans l'espace, dans les croyances, dans les philosophies, dans l'intimité des gens. Il y a des passages de sexe exactement tout à fait rigolos et très terre à terre, et puis il y a des digressions qui sont de la géopolitique. Donc c'est cette capacité à rentrer le monde dans votre cerveau et à le faire ressortir sous forme d'une histoire qui peut nous passionner, qui fait de vous un très grand écrivain. Et ça, il n'y a pas de nationalité pour moi, c'est quelque chose d'universel. Voilà ce que je pense de votre livre. On terminera là-dessus. Je pense que ça ne peut pas être mieux. Salman Rushdie, Shalimar le clown, c'est son dernier roman, c'est chez Plon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La grippe du poulet est aux portes de l'Europe. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Il y a quelques jours, des cas auraient été recensés en Roumanie et en Turquie. Alors forcément, en France, l'inquiétude commence à gagner. D'autant que des spécialistes ont récemment fait savoir qu'a priori, le vaccin contre la grippe classique ne protégeait pas de la grippe aviaire. Le seul remède efficace serait un médicament dont on ose à peine dire le nom, le Tamiflu. Un médicament en vente dans les pharmacies qui, paraît-il, serait déjà en rupture de stock. La grippe aviaire, c'est peut-être la dernière fois qu'on va en parler aujourd'hui. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Non, on va pas faire peur à tout le monde. Moi, alors vraiment, ça me fait pas peur. Je sais pas pourquoi. Peut-être je suis inconscient. Je sais, Gérard Miller, que vous pensez que je suis un inconscient ou d'un naturel. Vous êtes prévoyant. Vous êtes prévoyant parce que quand vous mangez du poulet, vous mettez un préservatif. Peut-être je suis trop optimiste, j'en sais rien. Enfin voilà. En tout cas, Thierry Marquet et Dan Bolander, qui ne se sont pas pris en grippe, la preuve, ils travaillent encore ensemble, ont testé pour nous l'achat de Tamiflu. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert pour la réalisation et on parlera évidemment tout de suite après sérieusement de ce sujet. Thierry Marquet, Dan Bolander, j'ai testé l'achat d'un vaccin anti-grippe aviaire. Enfin, si t'en trouves. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens chercher le médicament contre la grippe aviaire. Vous n'en trouverez pas. J'en trouverai pas. Non, il n'y en a pas en ce moment. Oui, non, mais moi. Vous parlez de la grippe aviaire? Oui. Ah, parce que je viens également pour ça. Oh. Il faudrait une boîte. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Il n'y en a pas, pas du tout. Il n'y en a plus. Mais la grippe aviaire est en train d'arriver là. Bah oui. Mais comment fait-on? Est-ce que je peux vous laisser mon nom et mon numéro de téléphone à ce moment-là? Bien sûr, mais ce que je vous dis, c'est que non, on n'en a pas, on n'en a pas. Voilà. Oui, non, mais écrivez même mon nom en premier, parce que j'étais là avant monsieur. Hein, donc, C'est possible d'en commander au moins une dizaine. Ils vont nous les donner au compte-gouttes, on n'aura pas une quantité... Ah, on en prend plusieurs, alors. Moi, je vais peut-être en prendre une vingtaine à ce moment-là. Moi, j'en prends une trentaine. Si je vais en prendre... Il n'y a pas de raison, à ce moment-là, j'en prends 40. Alors, 40. Non, mais j'en prends 40. Non, j'en prends 50 alors. Non, mais j'en prends 50. Je vous en prends une soixantaine. Alors, si monsieur en prend 60, moi j'en prends 80. J'en prends 80, madame. Je vous en prends une centaine. Une centaine de boîtes. Oui, mais je les ai notées. Vous inquiétez pas. 100. Non, mais arrêtez, monsieur, parce que j'en 120. Prends 200. Hein. Je veux être vraiment le premier à être servi, madame. Non, mais je vous en prie, monsieur. Je 260. Combien je vais en recevoir? Mais vous en avez eu déjà une fois? Jadis, on la vendait. Jadis, madame dit qu'elle en a 10. Bah oui, vous voyez, non, je dis jadis. Vous en avez 10? On en avait 10. Ah, je vous en prends 10. C'est une histoire de fou, vous me prenez pour une folle ou quoi? Je vous prends les 10, madame. Je vous prends les 10. Je dis jadis, j'en avais. Comment ça? Jadis, vous savez pas ce que ça veut dire jadis? Mais moi j'en prends 10, si vous en avez 10. Mais je vous dis que je n'en ai mais pas. Si, on a dit jadis. Oh merde! Vous demandez du également? Bah oui. Non, parce que la dame m'a dit qu'elle avait pas. Tout raflé. Madame, moi j'ai une ordonnance, le médecin me prescrit du. Je suis bien obligé de. Ça manque. J'ai plein de pigeons, moi, dans la rue. J'ai chopé la grippe aviaire. Je voulais que je vous dise. Même le médecin, il pourrait pas en avoir. Il n'y en a pas sur le marché. Alors, vous les gardez pour vos clients? Non, pas du tout. Vous les gardez pour vos familles, vous les gardez pour vous. Vous les gardez pour aller dans les rayons. Si vous voulez, vous les voir à la lettre. Regardez. Vous allez regarder. Il n'y en a pas. On vous a pas de vaccin contre la grippe aviaire? Non, il n'y a pas de vaccin. Ça va être sympa, vous avez une petite boîte qui traîne. Écoutez, je n'en ai pas, monsieur. Je suis désolée, vous allez commencer à me... Vous en cachez pour vos familles, c'est pas possible. Sûrement, voilà. Le médecin moi, j'ai au moins 15 boîtes chez moi, oui. Si vous en avez, moi, j'en veux bien également, alors. Non, j'en ai pas. Bah, mais vous venez de dire que vous en avez, madame. Mais chez vous. C'est pour... Écoutez, mais on n'en a pas. Mais attendez, et si la grippe aviaire arrive là ce soir, comment on fait? C'est fichu. Bah oui, c'est fichu. C'est foutu. Accueillons tout de suite effectivement notre invité qui va nous parler de ce médicament et de la grippe aviaire, un infectiologue, le professeur Christian Perron. Bonjour professeur. Bon, si... Laurent, votre cravate a été infectée monsieur. Mais
c'était drôle. J'aurais pu venir avec des poulets ou des canards, mais c'était dangereux. J'ai préféré mettre des grenouilles qui ne font pas la grippe. C'était plus sûr pour vous, je pense. Qu'on croit. La grippe patracienne. Alors justement, c'est vrai que vous avez prononcé le mot canard. Alors maintenant, ce sont les canards aussi. Ah, il faut pas sniffer du canard en ce moment. Non, mais c'est vrai que le virus va venir des animaux et notamment des oiseaux. Ça, c'est sûr, c'est attendu. Mais quand, c'est là le suspense. Ah, mais il va arriver, c'est sûr, ici en France. Il y a deux fois par siècle, il y a une pandémie grippale. Donc ça fait longtemps qu'on l'attend. Et normalement, elle devrait arriver un de ces jours. Deux fois par siècle. Ou à peu près. Donc le siècle dernier, il y a eu la grippe, qu'on dit espagnole. Ouais, qu'on dit espagnole. T'en fais une. Et donc. La deuxième, il n'y a pas eu, donc là on en a trois pour ce siècle. Il y a eu la grippe asiatique en 68, et puis il y en a une autre, je ne sais plus quand, mais donc normalement, statistiquement, il devrait y en avoir une. Et les pigeons ? Alors, ça peut être les pigeons, les canards, les oies. Il faut tuer les pigeons. Ce qu'on a vu là dans le sujet où on a vu deux pharmacies, toutes les pharmacies testées étaient en manque de ce fameux médicament. Vous allez dire dans un instant si c'est vraiment utile de l'avoir ou pas ce médicament. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu une ruée dans ces pharmacies pour acheter ce produit? Alors je voulais juste faire une petite correction parce que j'ai vu votre reportage là. C'est pas un vaccin qui est dans les pharmacies, c'est un médicament antiviral. Hein, donc le vaccin pour l'instant n'existe pas parce qu'il y a des gens qui font des recherches pour le mettre au point. Mais tant que le virus de la pandémie n'existe pas parce qu'il n'y a pas encore de pandémie, le virus qui circule chez la volaille, ça sera peut-être pas exactement le même que celui qui avait attaqué l'homme. Donc pour l'instant, c'est un médicament. Alors est-ce qu'on ne va pas un peu vite quand même, là, essayer d'alarmer les gens? Oh, ben y a toujours des oiseaux de mauvais augure, quoi, si je peux parler d'oiseaux, alors que les volailles sont victimes du virus. Mais on peut pas, faut être sérieux là-dedans. Il y a un risque quand même sérieux qu'il y a des centaines de milliers de gens qui meurent. On ne peut pas blaguer avec ça. Je crois qu'il faut prendre toutes les mesures de prévention, même si moi, je serais très heureux qu'elles ne surviennent pas. Hein, mais... Christine? Je suis terrorisée. Alors, je vais vous dire. Moi, j'avais très très peur de mourir de la vache folle, parce que vous imaginez. On comprend. Voilà. Tu vois qu'on peut vivre avec les symptômes. Alors, je vous explique. Je voulais bien mourir de tout. Il y a des morts glorieuses, un accident d'avion, un truc comme ça, quoi. Mais pas la vache folle. Maintenant, j'ai la trouille de mourir de la grippe du poulet. Parce que c'est monstrueux, c'est une mort con. Bon, j'ai des serins, des canaries. Est-ce que je les étrangle en rentrant chez moi? Oui, j'ai des serins. Toi, ça te fait rire? Oui, j'ai deux serins. Oui. Non. Alors, il y a que ça de serins chez vous. Hein. Je peux vous rassurer parce que le virus ne va peut-être pas sauter directement de l'oiseau à l'homme. Comme vous le savez, l'homme est plus proche du porc que de la poule. Et donc, vous le savez, oui. Il y aura probablement une étape intermédiaire chez le porc. C'est pour ça vous savez qu'en Asie, beaucoup de volailles sont élevées au milieu des porcs et qu'il y aura peut-être des échanges génétiques entre les souches de virus grippal qui après vont passer chez l'homme. Alors, je tue mon cochon en rentrant. Vous tuez votre cochon. Oui, j'ai des cochons. Surtout s'il y a le petit oiseau en tire-bouchon. Mais vous pouvez... Non, bah c'est une bonne info. Parce que quand même, professeur... Bon, en tout cas, j'ai annulé mes vacances aux Canaries, hein, ça c'est sûr. Plus on lit et moins on comprend. Mmh. Plus on lit d'infos et moins on sait si ça va nous tomber dessus ou pas. C'est ce qu'on disait avec Isa. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? On vous explique. Il y a un risque. Un risque, ça n'est pas une certitude. Mais il n'y croit pas. C'est un risque sérieux. À partir de là, on prend toutes les précautions... Et on continue à vivre normalement. Et Laurent, c'est formidable, c'est que vous ne voudriez que le risque ne soit pris en compte qu'à partir du moment où le danger serait déjà là. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que ces dernières années, on nous a quand même à chaque fois baratiné avec, je me souviens, les pédiluves pour nous protéger de la fièvre afteuse, qui soi-disant, il fallait mettre les pieds dans de l'eau avant de rentrer dans n'importe quel magasin. On nous a fait la tremblante du mouton. Enfin, vous avez toutes les conneries du monde. C'est pas des conneries, faut arrêter. Si on n'avait pas alerté, pris les mesures de prévention, voilà. Ça aurait été peut-être beaucoup plus loin. Je suis quand même d'accord avec Laurent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut mieux espérer qu'il ne se passe rien. Mais pas du tout. Parce qu'il faut savoir quand même une chose, c'est que quand tu as la grippe aviaire, tu peux mourir en 7 jours. Et quand tu vas à la pharmacie, il y a 15 jours d'attente pour avoir le mag. Il vaut mieux espérer qu'il ne se passe rien. Isabelle? Quand je pense que toute ma vie, depuis que je suis toute petite, j'ai eu peur de m'asseoir sur les cuvettes des toilettes. Parce que ma mère m'avait dit que j'allais attraper toutes sortes de maladies odieuses. Et en fait, on risque rien. Le virus, il n'aime pas être cuit. Et vous pouvez alors manger plus, du virus. Plus sérieusement. Il n'y a aucune contamination. Non, c'est important parce que beaucoup de gens. Maintenant, je connais des gens, même dans ma famille, qui disent moi, je ne mange plus de poulet. Vous pouvez manger du poulet. Bien sûr. Le virus ne va pas se transmettre par la viande. Et le pire, c'est que vous savez, en général. J'ai une question. Vas-y. Allez-y.
En général, tout le monde veut toujours manger du poulet qui a couru, c'est vachement mieux que le poulet élevé en batterie, mais il semblerait que justement le poulet élevé en plein air va être plus dangereux, ouais. plus possiblement contaminé que celui élevé en batterie. Ouais, au moins, celui-là, il est entre quatre murs. Le problème, c'est que le poulet élevé en plein air, vous ne pouvez pas l'empêcher de fricoter avec quelques voilà. canards qui passent dans la mare à côté. Ah, oh, voilà. Et des canards qui peuvent venir de Roumanie ou de Trieste. Respectez la vie privée. Il est suspect, le canard roumain. Jean-Bernard Hébé. Après qu'on ait fait toutes les plaisanteries possibles et imaginables sur le poulet, les poulets, les canards, moi je voulais vous poser une question presque sérieuse. On est en train de subir... Votre petit costume pied de poule, ça tombe bien. On est en train, depuis quelques années, d'avoir des maladies que l'on ne connaît pas et qui ont des formes que l'on ne connaît pas. Est-ce que cette fameuse grippe aviaire, on sait maintenant ce que c'est? Je ne dis pas qu'on sait la soigner ou la prévenir, mais est-ce qu'on sait ce que c'est ou est-ce que c'est encore une forme de bestiole qui est arrivée, enfin de bestiole ou de je ne sais pas quoi. Un virus. C'est pas obligatoire. Le prion, ce n'est pas un virus, par exemple. Donc quelque chose que l'on ne sait pas appréhender. Non, on sait tout à fait ce que c'est, mais l'homme est en train de découvrir qu'on vit dans... Vous savez que vos cellules dérivent des bactéries, qu'un poids sec, si je vous déshydrate, votre poids est fait de plus de bactéries que de vos propres cellules. Donc on vit dans un environnement infectieux permanent. Et en fait, on voit que c'est Charles Nicolle qui disait les maladies infectieuses sont l'avenir de l'humanité. Quoi. Il y aura toujours des maladies infectieuses On dit que ça vient des chauves-souris, la grippe aviaire. Ah non, c'est une autre maladie. Il y a des maladies transmises par les chauves-souris. Mais là, salut Batman. Mais là, ne tuez pas les chauves-souris parce que là, il ne faut pas les accuser à tort quand même. Hein. On va vous remercier en tout cas pour vos réponses à nos questions. Le professeur Christian Perron est infectieux. Restez avec nous deux instants. Ouais. Une catastrophe n'arrivant jamais seule. Voici Jérôme Bonaldi qui a travaillé à Canard Plus en plus. Il faut se méfier. Vous amène des morceaux de bois. Ça ressemble à une bûche. C'est une bûche, c'est beaucoup plus que ça. C'est un kit complet pour feu de cheminée. Ah, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Ah, oui. Alors, voilà la bûche, et on dit, une bûche ne brûle jamais seule. Ah, heureusement, dans le kit complet pour la cheminée, regardez, ça a été préfendu ici sur le côté, et vous avez le petit bois, hop, ici, d'accord? Le moyen bois, là, le voilà, et même... avec la lunette. La baguette. Oh, c'est malin. Il manque le grattoir. Il manque le grattoir. Il était avec. Il est vendu avec. J'ai enlevé parce que ça faisait pas beau. Enfin, ça fait. Mais c'est moins beau qu'une bûche. Et ça reste une bûche à la fin. Regardez, à la fin, vous avez votre bûche. C'est des designers pyrénéens qui ont fait ça. Si vous le cherchez dans Internet, vous cherchez design des Pyrénées, vous les retrouverez. Voici un autre cube de bois. Eux, ils ont une idée vachement maline. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un trait de scie comme ceci. Après, un trait de scie là, un autre là, un autre là, un autre là, un autre là. Ça y est, tu vois. Un escalier. Non, un siège. Regardez. En se servant de l'élasticité naturelle du bois, j'ai ici un magnifique tabouret 100% naturel, à ressort, avec aucun élément artificiel dedans. Pouf, pouf, pouf. Et c'est bon, je peux essayer. Oui, oui, parce que vous avez le petit modèle tabouret. Venez, Maureen. Il est à votre taille, Maureen. Vous avez également le modèle siège, le banc. Regardez, asseyez-vous sur le banc, Maureen. Oh, mais oui. Professeur, vous devez tester. Je viens avec vous sur le banc. Voilà, on vient sur le banc. N'est-on pas confortablement assis? Non, c'est vachement bien. Allez, elle est pas belle. Prenez-vous la main, faites-vous un bisou. Le professeur fait preuve de beaucoup d'affection pour Maureen. Je ne suis pas un canard. Bon, alors venez tous les deux. Dans le même genre de siège, on se disait qu'on ne peut rien inventer encore de nouveau et d'intéressant. En siège, tenez, regardez ça. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Ah. Ouais. Vous aimez le PMMA, le polymétacrylate? C'est un plastique transparent, solide. L'idée, elle est simplement d'avoir mis une inclusion à l'intérieur. Or, l'inclusion, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, il y a un modèle avec... Une photo d'un ennemi, et tu t'assois dessus. Tiens. Oui, il y en a un avec une femme nue, dans cette position-là. Un homme nu aussi. Il y en a, asseyez-vous. Regardez ça, comme c'est beau. Je vois là des fauteuils très élégants que vous avez dû trouver chez Christine Bravo. Ah. Voilà, alors ça c'est un peu l'antithèse. Là c'est très moderne à partir d'un matériau, enfin d'un matériau moderne. Ça c'est vieux comme le monde. Et regardez ça, c'est pas beau ça? Vous vouliez, Christine? Ah oui, j'adore. Je pense que ça vous irait bien. Venez vous asseoir. Ah non, je croyais que tu me filais. Ah non. Bah non. C'est du cuir. Attends, ça va faire ton sur ton là. Voilà.
Vous venez, professeur? Ça va très bien, vous avez le portable. Alors, l'idée... Il va finir par pécho, lui. Alors, ça, c'est des vraies vaches. Qui ont été prises à... C'est des vraies vaches. Attendez, la vraie... C'est des photos. La photo a été faite à Beuzeville, au milieu de la Normandie, madame, s'il vous plaît. Avec derrière, ça résiste au lavage. Ça peut se déhousser. C'est simple, c'est pratique. Et vous pouvez mettre les animaux que vous voulez. C'est intéressant, génial. Vous voyez, il y en a même derrière. Moi, je n'ai qu'un mot. Bravo, Jérôme Bonaldi. Merci au professeur. Jérôme, tu vas me dire... Notre dernier invité pour ce soir, c'est un digne représentant de la nouvelle chanson française, réaliste, comme on dit aujourd'hui. Il s'appelle Kali. Après le carton de son précédent album, L'amour parfait, avec les chansons C'est quand le bonheur ou Elle n'a pas dit, eh bien, vient maintenant son nouvel album qui s'intitule Menteur. Tout le monde parle de ce nouveau disque, même Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Enfin, eux, c'est surtout parce qu'ils ont été la cible du chanteur dans une publicité pour cet album. Pub qui laissait entendre, vous avez peut-être entendu parler, que les deux hommes, Chirac et Villepin, étaient des menteurs, ce qui évidemment est faux, une publicité qui a finalement été censurée. À partir du mois de novembre, Kali sera en tournée dans toute la France et à l'Olympia les 21, 22 et 23 novembre à Paris. Donc, pour tester ensemble cet album Menteur, voici Kali. Bonjour, Kali. Super d'album. Moi, je le trouve encore meilleur que le premier. Jean-Bernard Hébé, ça va bien? Parce que je ne sais pas s'il a de la mémoire, notre ami Kali, mais vous l'aviez vertement critiqué. Et l'émission n'est pas finie. Mais moi, j'ai adoré cet album. Ce n'était pas le cas du premier, L'amour parfait, c'est ça? Tout à fait, ouais. Celui-ci, c'est plutôt l'amour imparfait. Hein. Vous auriez peut-être pu l'appeler comme ça, cet album-là. Parce qu'on parle plus de rupture, on parle plus d'amour qui ne marche pas très bien, quand même, dans cet album-là. Non, non. Vous êtes plus triste qu'avant? Non, du tout. Je suis un peu plus qu'avant. J'ai l'impression que tout ce qui était doux est beaucoup plus doux. Il y a des chansons douces quand même. Ouais, mais quand même. Tout ce qui était violent est peut-être plus violent, voilà, c'est tout. Ah, ça, ce qui est violent est plus violent. Plus, voilà. Bah, on va tout de suite peut-être en avoir un aperçu de cet album avec un extrait du clip Qui se soucie de moi. Je colle mon museau sous la porte. J'essaie de sentir mon enfant. Je n'ai plus la force et le diable m'escorte. Qui se soucie d'un vieillard de 30 ans? C'est vrai que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous avez dit que je trouvais que vous n'étiez pas un bon chanteur. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis, mais j'ai changé d'avis quant au disque et au clip et à l'homme. Alors, avant de vous dire des choses désagréables, je vais vous dire des choses agréables. Le clip est formidable, il est très bien réalisé. Merci. Deuxièmement, l'album est très très bien réalisé. Les textes sont formidables. Merci. Mais vous chantez toujours aussi. Je peux le répéter. Bon, ça c'est mon point de vue, mais... Là où je dois vous féliciter, un, c'est pour votre courage, effectivement, pour avoir fait les pubs que vous avez faites. Il faut rappeler peut-être la pub quand même. Il disait que les hommes politiques avaient dit, notamment de Villepin, qu'il résoudrait tous les problèmes. Non, je suis Superman. C'est ça qui m'a étonné. Je ne dis pas ça, je dis simplement, je vais réduire la fracture sociale en 100 jours. Et là, une personne me dit menteur. Oui. Je suis un menteur, évidemment, en disant ça, c'est tout, quoi. Donc, mais évidemment, Monsieur Dominique de Villepin et Monsieur Chirac l'ont un peu pris pour eux. Ben oui, parce que la fracture sociale est sans jour. Non, mais alors le BVP, le Bureau de vérification des pubs, m'a dit, vous impliquez des personnalités identifiables, sans me dire qui, déjà, voilà. Et puis après, je dis autre chose aussi, j'organise les JO de 2012 à Perpignan. Et on me dit menteur. Et Monsieur Delanoë ne m'a rien dit, quoi. Je dis, voilà, c'est tout. Bon, enfin, dernier point, il y a une chose pour laquelle je voulais vous féliciter, c'est l'action que vous avez avec votre association L'Amour Parfait, parce qu'il fait un truc absolument formidable, qui est un scandale que je connais bien, c'est l'histoire des pères divorcés qui n'ont pas accès à leurs enfants. Il s'est terriblement impliqué là-dedans, et en cela, je vous félicite, bravo, merci. Vous êtes un mec formidable. Mais pas un bon chanteur. Merci beaucoup. Gérard. Mais Kali, moi, c'est tout ce que j'aime, Jean-Bernard. Moi, je,
dois dire que votre premier CD, il est usé chez moi tellement je l'ai écouté. Et ce qui est extraordinaire... Je crois que tu t'es fait arnaquer parce que non, les CD, ça ne suffit pas. Sur son pic. Non, même là où je le mets et où je dois le mettre, il est usé. Ah ben on ne le met pas au même endroit. Hein. Le pauvre Gérard. Isabelle, vous l'avez écouté ? Moi, j'ai adoré le premier album. Je l'ai écouté en boucle. En plus, je vous adore, vous, comme individu. En plus, merci. Sur scène, vous êtes une bête absolue. Il y a une chose qui me gêne, c'est que il y a dans vos chansons, quand on écoute la mélodie, il y a une espèce de joie de vivre que j'adore et que je retrouve du premier album. Et quand je lis les textes, je les trouve tellement déprimant, tellement triste. Et tout ça sur un air vachement guilleret. Alors moi, ça me déroute, c'est genre, ça part comme ça et il y aura des fleurs à mon enterrement. Et, vous voyez ce que je veux dire, et donc, je trouve qu'en ce moment, on a tellement besoin de choses un peu optimistes. Ça m'a un petit peu... Et en plus, j'ai exactement les raisonnements inverses vis-à-vis de la chanson sur les pères. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, dans les affaires de séparation de couple, les pères arrivent à faire entendre leur voix. Ce n'est pas vrai. Attendez, je finis. Qu'il se trouve que je suis très informée sur ce qui se passe et qu'aujourd'hui, la dernière personne à qui on pense, ce sont les enfants. Mmh. Et que très souvent, on arrache les enfants à leur mère. Et qu'il y a un rassemblement des mères le 19 novembre au Trocadéro. C'est très bien, j'y serai sûrement. Parce qu'on n'en parle jamais. Les pères parlent beaucoup. Je veux vous dire simplement que ce n'est pas un combat pour le droit des pères. Notre association L'Amour Parfait a mené le premier combat qui s'appelait Les papas égale les mamans, c'est tout. Et c'est juste pour dire quand même, aujourd'hui un juge donne dans 10% des cas seulement la garde de l'enfant en cas de séparation au papa. Dans cette affaire, on oublie les enfants. Et oui, mais les enfants sont pris à l'otage, évidemment. Et qu'on n'enlève pas un enfant à sa mère, surtout quand il a moins de 2 ans. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pourquoi on ne part pas sur une base de garde alternée, quoi qu'il arrive? Parce que pour un enfant de moins de 2 ans, c'est dangereux. Dramatique. Mais je ne suis pas de votre avis, excusez-moi, c'est tout. Moi, je suis de mon avis. D'accord. Non, mais on ne va pas s'engueuler sur le plateau. Mais je voudrais dire juste qu'on entend malheureusement en ce moment un seul son de cloche et qu'il est en train de se passer quelque chose de très injuste et que personne n'en parle. Alors vous me donnez une occasion d'en parler, je suis très contente, je vous remercie Cali. Non mais je vous remercie, mais moi c'était juste pour traduire un chagrin que j'ai vécu et je vois des papas qui vivent le même à côté de moi et voilà, j'avais besoin d'en parler, voilà. Merci d'en parler. Je ne savais pas du tout qui vous étiez. Vous étiez une amie de ma tante quand vous étiez dans l'éducation nationale. C'est qui votre tante? Marie-Lou. Oh mon bébé! Mais je t'ai connue tout petit! Sûrement, oui. Mais c'est mignon, ouais. Je l'adore! Voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient? Pardon, j'ai oublié qu'on était à la télé. Si j'avais su que vous étiez le neveu de Marie-Lou, j'aurais écouté avant. Elle aurait écouté le disque, en fait. On fait un petit test maintenant avec Maureen Dor. L'écran va être divisé en 4 parties. 4 visages apparaissent. Il y a un intrus. À votre avis, c'est qui? De Palmas. Et je pense que c'est parce que c'est le seul qui n'a pas fait de baloche. Bravo! Exactement. Yann Folli, Patricia Cass et Cali ont effectivement ce point commun d'avoir chanté le nom dans les balles. Vous avez fait les baloches. J'ai adoré ça. C'est l'école absolue de la chanson, quoi. Intrus suivant. Laurent Ruquier, Linda Hardy, Pierre Palmade et toujours Cali. Alors, qui est l'intrus et pourquoi? C'est Pierre Palmade. C'est le seul qui n'a pas été Miss France. Non. C'est les lunettes? Je ne sais pas. Eh bien, c'est Laurent. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes le seul qui n'a pas fait d'études scientifiques. Des études scientifiques? Exactement. Nous avons Pierre Palmade qui a fait une prépa HEC. Bon, il l'a abandonné, mais enfin, il l'a quand même commencé. Écoute, 5 minutes. C'est pas scientifique, HEC. Non, tu veux dire, c'est le seul qui a fait des études. Parce que HEC, c'est quand même... Ah ben non, parce que moi, j'ai fait des études, alors je suis pas intrus, alors. Linda Hardy, elle a fait un bac C. Bac scientifique et vous, merde, je me suis fait chier à faire 3 ans d'études après le bac et Linda Hardy elle n'est pas intruse et moi je suis intruse. Et vous, Cali, vous avez fait une IUT de mesure physique. Sur ces 3 semaines, exactement. Ouais. Alors là... Non, ça se tombe, c'est moi qui ai fait le plus d'études de tout ça. Bah, c'est pour ça que vous êtes l'intrus, justement. On a fait trop d'études. Alors, dernier visage. Donc voilà, nous avons Bernard Ménez, Magloire, Yves Duteil et Cali. Qui est l'intrus?
Alors ? Magloire, parce qu'il n'est pas engagé politiquement ? Non. Bravo, exactement. C'est vrai ? Eh ben oui, parce que Bernard Ménès, il a créé son mouvement qui s'appelle Divers, D-I-V-E-R-S, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yves Duteil, lui, il est le maire de Précy-sur-Marne depuis 1989, et vous-même. Alors, vous vous êtes présenté dans votre région municipale sous la couleur d'un mouvement qui s'appelait Jeunesse incorruptible et ça va chier. Non. Ah, c'est génial, non, si c'est vrai. C'est pas ça. C'est à 20 ans, je me suis présenté au municipal de mon village, Vernay-les-Bains, et on était des amis, voilà, une bande, et ça s'appelait Jeunesse incorruptible. Et 4 ans après, je me suis représenté tout seul, et ça s'appelait Ça va chier. Et restez avec nous, parce que Jean-Bernard va nous donner son avis. Vous allez pouvoir le contre-attaquer, si vous voulez, sur trois CD, trois albums qui sortent en ce moment. On commence par Neil Young, Jean-Bernard. Bon, alors, premier album très américain, un peu country, qui a fait rêver des gens, Harvest, en 72. En 93, il fait Harvest Moon, qui était la suite. Et là, il fait la troisième partie, Prairie Wind, juste avant de risquer la mort. Il a un anévrisme. Et il dit, mais vite, avant de me soigner, je rentre en studio et j'enregistre un disque. Et c'est ce disque-là, je l'ai écouté une grande partie de la nuit. C'est formidable, c'est très country. C'est un pur chef-d'œuvre. L'album s'appelle donc Prairie Wind, un extrait du clip Painter. If you follow every dream, you might get lost. If you follow. Génial, génial, c'est ma jeunesse. Oui, lui, je le connais, lui. Jean-Luc. J'aime bien écouter ça en boîte de nuit, ça m'apaise. Vous connaissez en revanche, évidemment, la grande Sophie. Je ne changerai jamais. On regarde peut-être d'abord l'extrait de la chanson. L'album s'appelle La Suite. Le mercredi, la sirène sonne. Et à côté de moi, personne, personne n'est à côté. Je ne changerai jamais. Je n'oublierai jamais. Je suis ce que je fais, ce que je sais. Je ne changerai jamais. On parle beaucoup d'elle là, maintenant, la grande Sophie, depuis 2-3 ans. Là, elle perce vraiment la grande Sophie. Elle fait partie, elle aussi, de cette nouvelle génération. Jean-Bernard. J'ai écouté tout l'album ce matin, je trouve pas ça terrible. Elle chante pas très bien. C'est pas extraordinaire. Isabelle. Alors, face à la garage music, elle a inventé le concept de kitchen music. Je trouve ça drôle et moi, personnellement, j'adore. On passe à Barbra Streisand. Retour de Barbra Streisand. Alors, une fois de plus, une voix. Bon, qui, je veux dire, Céline Dion à côté, c'est un canard. Bon, elle, c'est le maître absolu dans la voix. Elle chante magnifiquement bien. Mais là, elle chante que des conneries, je trouve. L'album s'appelle Guilty Pleasures. Guilty Pleasures. Pas mal. Et la chanson dont on regarde un extrait, Stranger in a Strange Land. And I will be your heart and mind. My love is on the line. I know it's how I'm gonna stay. For a stranger in a strange land. Far deux voix que j'adore, effectivement, c'est de la soupe. Eh ben, j'aime tellement leur voix que même la soupe, je la trouve bonne. Gérard, pour vous dire. Un physique ingrat, du talent. Pourquoi est-ce que je n'aimerais pas Barbara Streisand alors que j'aime Christine Bravo en France. Jean-Luc. Moi, je suis pas objectif parce que j'aime tellement Barbara Streisand que des fois, je me demande si je suis pas homosexuel. Donc. Christine. Elle n'a pas un physique ingrat, c'est la seule qui a assumé son nez. Qui n'a jamais voulu se le faire refaire, Omar Sharif. Et son strabisme. Et Omar Sharif m'a dit, j'ai jamais été fou amoureux comme j'étais fou amoureux d'elle. Omar Sharif, il a eu deux dadas, le tiercé et Barbara Streisand. Ouais, c'est vrai. Bon, alors attention, là, il faut faire un choix, Kali. Il faut en prendre un des trois, vous pouvez partir avec. Barbara Streisand, Neil Young ou la grande Sophie. Il me laisse Barbara Streisand, il prend Neil Young. Parce qu'il y a encore quelques minutes, le temps du qui a vu, qui a vu. Quoi. Alors là, ça c'est un peu popote hein, pour l'invité, mais on vous montre quand même le classement des chroniqueurs. Remarquez, ça vous donne une idée un peu de qui travaille et qui ne travaille pas dans cette équipe. Jean-Luc Lemoine est largement en tête avec 13 points, Christophe Alévèque est juste derrière. Stevie
notre petit Stevie est pas mal placé, hein, regardez, 9 points. On va aller dans les profondeurs du classement, voir Maureen Dor, 2 points seulement, Christine Bravo, 2. Et alors, Jean-Bernard Hébé, grande gueule sur la musique, hein. Mais alors, oh, qui a vu quoi? 0 points, 0 points, Jean-Bernard, depuis septembre, quand même. Allez, 36 sur la tête. On va vous laisser une chance, allons-y, c'est parti, regardons la première photo. Alors, que photographie ces photographes? Un mur? Non. Un concert? Non. C'est une vitrine d'un magasin, ce ne sont pas vraiment des photographes, on les a mis sur la vitrine et en fait ils photographient un produit qui est dans le magasin. Pas du tout. Mais parce que ça existe vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une autre planète qui Non, du tout. Une voiture? C'est une voiture, non, mais on se rapproche. Ça se change? Une mobylette? Pas un vélo, pas de mobylette. Un moyen de locomotion? Un moyen de locomotion. Un train, un taxi, un tramway. La réponse de Maureen Dor, le nouveau tramway parisien. Le nouveau tramway parisien testé pour la première fois hier. Bravo, Maureen. Photo suivante. Le mannequin piece. Oui, ça, évidemment, vous avez reconnu votre mannequin piece, Maureen, mais en quoi a-t-on déguisé le mannequin piece sur cette photo? En hollandaise. En hollandaise. Hollandaise, pas du tout. En Mylène Farmer. En Marianne. Évidemment, si je vous montrais le bas de la photo, vous trouveriez tout de suite. On vous a montré que le haut. Est-ce que c'est des cheveux, ça? Mais non. Si, c'est des nattes. Ah. C'est des nattes, en astérix, en obélisque. En obélisque. Bonne réponse de Maureen Dor. Vous allez grimper dans le classement, Maureen. J'adore. Photo suivante. Ah, que font ces gens? À quoi assistent-ils? Moi, je joue plus. Un accouchement? Une coloscopie. Un accouchement, bonne réponse d'Isabelle Alonso, exactement. Maintenant, on peut accoucher avec sa famille ou ses amis. Ça existe aux États-Unis, ça vient d'arriver en Grande-Bretagne, ça va bientôt arriver chez nous. On peut inviter jusqu'à 8 personnes pour assister à son accouchement. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut organiser un barbecue en même temps? Et tu crois pas si bien dire, vous voulez que je... Bonne réponse, Isabelle. C'est dingue. Alors... Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, il y a eu toute une époque, le retour à la nature et tout ça. Non seulement il y avait des accouchements avec les potes, mais après tout le monde mangeait le placenta cuit. Oh, tout arrête. Je vous dis que la c'est polenta, vrai. La polenta, vous confondez la polenta. Le placenta parce que c'est plein de protéines animales. Arrêtez, je vous jure. Ce que fait Jean-Luc Lemoyne n'est pas pour autant recommandable. Lui, il nous invite tous à la procréation. Non, là tu dois être seul avec ta compagne. Bah, pour une fois que tu vois ça. C'est pas la prochaine émission de télé-réalité, ça? Je dois bien conclure ce qui a vu quoi en affirmant qu'une fois de plus Jean-Bernard Hébé aura 0 point. Nul. Mais en revanche, quelle percée ce soir de Maureen Dor. Bravo Maureen. Cali en tournée à travers la France à l'Olympia en novembre. Son nouvel album, écoutez-le, s'appelle Mentor. Merci Cali. Allez, bye.